Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Va04, aujourd'hui on se retrouve pour un vol qui m'a été proposé par Emmanuel, qui était de faire un vol de Montpellier à destination de Gatwick, Londres Gatwick. Vol qui va être opéré du coup par un EasyJet. On aura un temps de vol de 1h25, numéro de vol 6580, et on va se retrouver du coup sur IVAO. Il y a normalement pas mal de contrôle aérien, ma foi. On va avoir l'approche au départ. Proche, on va peut-être pas trop passer dans une zone de contrôle normalement, mais ça devrait le faire. Et puis voilà, on devrait rencontrer d'autres. Une zone de contrôle au nord et pas de contrôle pour l'atterrissage. Donc voilà. Écoutez, on se retrouve directement dans l'avion et pour commencer le démarrage. Bon, alors pour commencer, on va pas prendre la checklist parce qu'on la connaît déjà. Batterie, on les allume. On peut basculer sur l'external power. On va le mettre au nav logo et passer en navigation. On va traiter ce panel. Alors, là, on va pas pouvoir monter à l'altitude qu'on veut dès le départ. On va mettre peut-être 7000 pieds, mais on va voir en fonction de ce que le contrôleur va nous donner. Mais bon, voilà. De toute façon, on va pas rester longtemps à la zone de contrôle, hein, c'est juste le temps du départ. Donc, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Bon, j'ai mis la lumière un peu partout, comme ça on y voit un peu plus clair. On va commencer par les checks en haut. Donc, emergency. Ça marche, crew supply on active, ground control, CVR test, capt, commande d'évacuation, les IRS sont alignés, fire 1, fire 2, fire APU, on désactive les engine pompes, enfin les. Si ouais, engine pompes. Ça c'est bon, on passe en high pour les packs, strobe auto, off pour les lands, on arme en. On les no electronic device et no smoking. Passe en arme pour emergency exit light. Test pour les lumières. Ça marche pas mal. Et enfin no smoking. No cargo smoke. C'est bon. On va allumer la tablette. On va set la fréquence de la tour. De l'approche, pardon. C'est 131.055. Parfait. Init request. Parfait. IRS init. Aligne on référence. Confirme aligne. Wind temp. No request. Win request et win request. Parfait. Play plant. Donc on va faire un départ de LFMT piste pas du tout. Pas du tout la 30. On va faire un départ piste 12 gauche. Alors vous allez me dire 12 gauche. Là, il n'y a qu'une piste. Ah, d'ailleurs, un avion qui arrive. En fait, il y en a une deuxième de l'autre côté. Ah bah en fait elle. Mais elle est beaucoup plus petite. Elle est pas faite pour les gros porteurs. Et on va décoller via entre. Non, être 6 Lima. Voilà. 12 cap 123 du coup fixe info LFMT 12 gauche cap 123 le plan ne marche pas toujours voilà on va continuer à faire notre route arrival ILS 26 gauche via Kuna unité golf voilà du coup mais les Tegels, Novias, certes. Ah, je suis en train de me rappeler que sur un live, on a peut-être fait une boulette. Vu comment c'était censé arriver. Mais bon, apparemment, on n'a pas bien fait les choses. Radar navigation. Enfin, c'est juste après. Fuel prediction. Alors moi, j'ai 57.2/30.6 en centre de gravité. Et 6.4 en bug fuel. Alors là, ça me dit normalement que tout est planifié. Sur le fuel, on est en train de charger le fuel, on va charger les passagers, il en faut, ah voilà c'est bon, il en faut 141 à bord, on va faire le truc pour le décollage là, surface dry, configuration flex, ok, centre de gravité standard, calculate, ouais, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, j'attends qu'ils améliorent bien ça, ça pourrait être vachement cool. Je crois que ça, Air Traffic Control, tac, il va où? Voilà. On va pouvoir passer set active, set standby. Là, on voit qu'ici, je l'ai set en standby, mais on peut directement la set d'ici. Là, vous avez tous les ATIS, debris, les ground, les towers, les approach, departure et radar. Nous, on va rester sur all, et voilà. Tac, tac, tac. On va continuer du coup on va aller à Eco Golf Kilo Kilo piste 26 gauche
J'ai oublié de faire ça. On va cliquer là, là, fixe info. Non, on fera ça pour l'atterrissage. Fuel prediction, init, perf. Donc 140 en V1, 140 en V2, 141 pardon, en VR et 141 en V2. On va penser à allumer l'APU bleed. Non, pardon, l'APU master et APU start. On n'a pas les altitudes vu qu'il n'y a pas ici. La température de flex elle sera 63. Les flaps, on va les monter. On va en sortir un cran DN.6. Voilà. Et là, tout est bon normalement. Boarding completed. Predwins auto. Seatbelt on. Ok. Bon, du coup, on va aller communiquer avec la tour de contrôle. En star rise 126. Tac tac tac. Ah, oui. Montpellier approche 126, c'est une mémoire de poisson rouge, j'ai bien confirmé un niveau de vol 120. Exact. Affirme niveau 120. C'est bien pris niveau 120, 126. Montpellier approche, bonjour. EasyJet 6580 avec vous. Ça serait pour demander la clairance à destination de Londres Gatwick avec l'information ICAO à bord, s'il vous plaît. Ici 6580, mise en route pour Gatwick approuvée, prévoyez un départ novembre Golf 6 Lima, piste 12 gauche, montée initiale 090, transfondeur 1000. Est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît? Il n'y a pas de souci. Ici 6580, mise en route pour Gatwick approuvée, prévoyez un départ novembre Golf 6 Lima, piste 12 gauche, montée initiale 090, transpondeur 1000. On prévoit la piste 12 gauche, une montée 090, transpondeur 1000 et un départ via novembre 6 Lima, EasyJet 6580. EasyJet 6580, relecture correcte. IC, IC, IC. Bon, on va monter 090, transpondeur 1000, PU bleed. Il faut juste que je vois dans le plan de vol. Ici 126, guidage radar RNP, piste 12 gauche à gauche au son, descendez niveau 8-0. On descend au niveau du coup, 8-0, oui, quand on dit qu'on a l'information écho, par exemple là. Ici 126, vous confirmez un virage à gauche, cap 100. Oui, excusez-moi, un virage à gauche au cap 100, ici 126. C'est que on est. C'est en fait, ils donnent une information à TIS et que nous on l'approuve via l'information qu'on a. Et première, 85 sur les jours 60. Ah, c'est novembre Golf 6 Lima. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Parfait. Bon, du coup, l'arrêt de lecture, c'est bon, tout ça, c'est bon. On a tout qui est bon, en fait. On va retirer les différents... Et 826 continue à descendre 4000, clic, le chemin 14. Source électrique, est-ce qu'elle est catering et chargeur bagage? Ouais, on se débranche. 826 continue à descendre 4000, clic, le chemin 14. Voilà. 14, on descend 4000, clic, 826. Du coup, les portes vont se fermer, normalement. Ça c'est good. Tac tac tac. On va aller ici. Pushback. System on. On va call le petit tracteur de repoussage. EasyJet 6580, ça serait pour demander la mise en route et repoussage s'il vous plaît. EasyJet 6580, mise en route et repoussage approuvé face à l'ouest. On repousse face à l'ouest, EasyJet 6580. Ok. Moteur ignition. On allume toutes les pompes. On allume les beacons. Normalement, on ferme la porte, bien sûr aussi. J'ai pas envie de déranger plus que ça. Face à l'ouest. Mais c'est où l'ouest? Ah, c'est bien ça, c'est face à l'ouest. Ouais. C'est juste que j'ai un peu une mémoire un peu sous-développée là actuellement. Le trafic est bien derrière moi. Oui, c'est bon. Ouf, oula. Putain, il a fallu un petit moment pour. Allez, c'est parti, repoussage, moteur 1. Ok, on a fini le repoussage.
On démarre le moteur 2. Du coup, hop. Ça, on sait. 2, 4, 6, c'est bon. On va allumer les wings, les taxi lights. On va allumer les pompes. Comme ça, ils seront contents. On va passer en norme. Ok, le moteur 2 a démarré. C'est parti, du coup, on repasse en norme. On arme les spoilers, flaps 1. On continue les prochaines. Parfait. Du coup, on va trim l'avion, DN.6. Voilà. Full left, full right, full up, full down, full left, full right. Ok. Du coup, les flight control, c'est free and correct. Auto brakes, max. Tac, tac, tac. Les lumières, c'est bon. On rallume le logo. Juste histoire de couper la PU. Tout ça, c'est bon. On retire le parking brake. Easy 65-80, nous sommes prêts au roulage. Easy 65-80, roulez point d'attente. Piste 12 gauche par Whisky 2 et Tango 6. On roule pour le point d'attente de la 12 gauche via Whisky 2 et Tango 6. Easy Jet 65-80. On va parler aussi vite que lui. Ah, bah il est déjà en approche l'avion, moi qui voulais passer devant lui. Ça va être un peu cuit. Easy 126, piste 12 gauche, autorisé l'atterrissage, vent 150 degrés, 5 nœuds. Oui, bon, on va pas trop se presser alors. Autorisé l'atterrissage. Du coup, en attendant qu'on s'aligne, voilà la carte de départ. Juste, voilà, c'est bon. Il dit 65-80, vous me recevez? Il dit 65-80, je vous reçois 5-5. Merci, Volota 8. Du coup, on va faire un départ vers le sud. 0 sur 5, je suis désolé. Tourner directement pour rejoindre le point NG qui est ici. Donc voilà, puis après pour la piste, j'ai pas besoin de vous montrer, on est déjà au point d'attente de la 12. L'aéroport n'est pas très grand, donc bon voilà. On va passer sur les lumières de décollage. Take off, take off, take off, et run return off on. Ensuite, cabin check, hall. Easy 65-80, point d'attente 12 gauche. Easy 65-80, piste 12 gauche, alignez-vous, attendez. On s'aligne, on attend, easy 65-80. Et ici sur 26, roulez Charlie Unité par Tango Mike. Bon bah du coup il va falloir s'aligner. Mama. Charlie Unité via Tango Mike, Charlie sur 26. Il y a des petits problèmes de freinage comme station. Allez hop, on s'aligne. Putain mais frère, c'est pas possible. Volota 8, Québec Hôtel, essayez de vous déconnecter puis de vous reconnecter, peut-être que ça marchera. On est bien aligné, c'est bon. Easy 65-80, piste 12 gauche, autorisé décollage, vent 110 degrés, 4 nœuds. Autorisé décollage, piste 12 gauche, Easy 65-80. Allez, c'est parti. On maintient les freins. Moteur à après 50%. On relâche. Et hop. Manoflex, SRS. Auto Trust Blue. Power 7. Et Fox Kilo Delta Tour de piste après transport 70-0 Inter après pré-roulage. Et une activité dis donc à l'IV. Folle. Voilà un bel. Kilo Delta roulé pour l'attente Romeo Unité, piste 12 droite par Romeo. Ok, V1, rotate. Volota 8, Québec Hôtel, je vous reçois 5, prévoyez guidage radar à RNP, piste 2 gauche, descendez niveau 120. Et on fait notre virage. On décolle vite quand même. Volota 8, Québec Hôtel, à gauche 090, descendez niveau 70. Thank you.
keep your seatbelt fastened whenever you are seated. When the seatbelt sign is switched off, you may use larger electronic devices. Please be careful when opening the overhead lockers. Por favor, permanezcan sentados con el cinturón de seguridad abrochado hasta que la señal de cinturones se apague. Le recomendamos mantener el cinturón de seguridad abrochado mientras estén sentados. Il est 6580, identifié via site monté niveau 190. On monte via site de niveau 190, il dit 6580. Ok. Du coup, en gros, ce qu'il vient de me demander là, c'est que on va monter via la route qu'on a prévue au niveau 190. Parfait, impec. Hop, on rentre les spoilers. On va rentrer les flaps dès qu'on arrivera en S. Ah, ça va vite, hein. Bon, là, on va commencer à rencontrer les autres. 126 au Flaps. Parking Charlie. Yep. Merci beaucoup pour le contrôle. Bonne journée, au revoir. Ici, c'est un TG Unicom, c'est un de décimal 8. Merci pour le passage. Excellent après-midi, au revoir. Bon, du coup, on est en train de monter tranquillement. Première 85 Charlie, vous quittez mon espace aérien. La suite sur Unicom, c'est un de décimal 8. Prévoyez Bordeaux contrôle 5505, au revoir. Ouh, mais c'est que ça turbule pas mal, là. Là, ça turbule bien. Allez, on va faire le virage. Ah bon, j'ai prévu une touche. Quenache, on passe en standard. À tous les trafics, je ferme la fréquence, merci, au revoir. Merci du contrôle, au revoir. Allez. À la prochaine. On passe sur Unicom, on n'a pas le temps. On met l'autopilote, on règle notre niveau de vol au 380, parfait. Ça c'est bon, les passagers, on va pas les détacher tout de suite. Voilà, on va mettre la route comme il se doit. De toute façon, on va arriver aux 10 000 pieds d'ici une petite minute. On est à 10 000 pieds, du coup on retire les lights, les wings, bon, tout est bon. Écoutez, on se retrouve pour la descente et je vous laisse avec un petit timelapse, ma foi, que vous allez bien aimer. Donc voilà. Mesdames et messieurs, on commence la descente sur, sur Gatwick. Voilà. Le contrôleur vient de donner le niveau 240. On va pas encore attacher les passagers. Je vais vous montrer les cartes d'approche, histoire de vous donner une idée. Du coup, on va faire une approche via Cunave. Pour l'instant, ça va tout droit. On va arriver sur Timba.
On pourra faire encore des holds du coup sur tous ces points si jamais il est nécessaire. Ensuite, on va s'approcher du coup de Timba. On va faire un petit virage sur le bord de May pour se mettre perpendiculaire quasiment à la piste. Même plus que perpendiculaire. Ensuite, on va s'aligner sur la piste 257 degrés. Du coup, voilà. Transition 6000 pieds. DAH 396. On va rentrer ça. Et voilà, voilà, là. Et une fois qu'on aurait réatterri, il faut voir. Non, dessus, ils n'indiquent pas là-dessus de redécollage. Bon, on va mettre 4000 pieds. On viendra rejoindre de Willow, dans le cas. Et ensuite, tac. Bon, du coup, je vais vous montrer les cartes d'approche, le temps de la descente. Du coup, on va faire une approche via Kunav en direction du bord de May. Une fois arrivé à May, on va tourner plus que perpendiculairement à la piste. On se met au cap 002 pour descendre vers 2000 pieds. Et ensuite, on va tourner vers le cap 257 pour rejoindre l'ILS de la piste 26 gauche et se poser. En cas de redécollage, on mettra l'altitude à 4000 pieds. La DH est à 396, l'altitude transition est à 6000 pieds et l'aéroport sera. On sortira via Eco Romeo, Fox Romeo, Golf Romeo et après on roulera vers Juliette en fonction de ce qu'on nous donnera ou même pas, monsieur. Peut-être pas. Et on roulera via Lima pour aller se poser par ici ou via Québec. Kilo. Donc voilà. Là, on va aller rentrer les informations d'atterrissage. Alors, perf. Donc, en température. Température. C'est ici. Jedi 321 taxi. Initial yield 19 degrés. Runway 27. 19 degrés. Voilà le QNH 10006. Le vent sera du 220 pour du 19. Speeder 735 Juliet, turn left heading 070, reduce speed 250 knots. 6000, flap, enfin vitesse 135 et 396 pour le barreau. C'est bon, on va peut-être armer les spoilers, on ne sait jamais. En tout cas, c'est joli, il a commencé à avoir une belle couche de nuages. Ça a commencé peut-être à devenir intéressant pour la descente. On va aller dans Flyplant. Tac, fixe info. New page. On va aller sur EcoGolf Kilo Kilo 26 gauche. Et j'ai 65-80, Unicom 22-8, à bientôt. On passe sur Unicom 102-8. Merci pour votre contrôle, monsieur. Au revoir. Jedi 321, via Whiskey 3, cross runway 27. On descend à 2000 pieds. Voilà. Du coup, la radiale, si jamais il y a besoin, ça sera 25 nautiques. Non, 15 nautiques. 15 nautiques. On met l'axe de la piste 258. Et dans Perfinite. Du coup, le redécollage, ça sera à 1210. Et 1800. Voilà, mode jump. Pour cumuler un redécollage et une perte moteur, ça commence à faire beaucoup. Mais bon, écoutez, on se retrouve dès qu'on arrive plus bas. À 10 000 pieds. Ce qui veut dire 10 000 pieds veut dire qu'on allume les ILS, les passagers, on les attache. Wings, up light, ILS numéro 2. On va passer sur la. On va pas passer, mais on va rentrer la fréquence de la tour de contrôle dans. Bah, bon, en vrai, j'ai un peu la fumée, on va faire ça avec la tablette. GK4 Tower, up, Tatsu code 500.
Voilà. 124-230. On passera sur en active dès qu'il y aura besoin. Ouais. Dès qu'il y aura besoin, nécessité, tout ça. Hop, on est à combien là de la DME? C'est même pas indiqué. Une pression de encore moins. Tant qu'on ne reprend tout ça, les 15 nautiques pour l'instant, ça va. On va se maintenir comme ça. Et puis voilà, je crois que le cercle des 15 nautiques, en fait, c'est la tour de contrôle quasiment. On se connectera à ce moment-là. On va juste vérifier que la fréquence soit bien rentrée. Ok, c'est bon. Et ça devrait le faire pour l'atterrissage, de toute façon. Enfin, ça va le faire. Juste voilà, on va sortir un peu de spoiler. Et on va continuer ainsi sur cette descente. Ok, on va rentrer les spoilers. On est à 7 nautiques. On va sortir. Alors, autobrakes low. Flaps 1. Spoiler arme. Ok, on va passer en quenage standard. Du coup, c'est 10.004. Flaps 2, on va se maintenir à 180. On peut zoomer davantage. On va descendre. On va armer la PPR. La P2 aussi. Speed brake, flight control out. Ouais. On va descendre davantage. 2000 pieds minute. Donc voilà. C'est bon. On va switch. Ok. Gatwick Tower, hello. Is it jet 6508 and 80? Descent flight level 020. 6580 Gatwick Tower, good afternoon. Information Alpha is current 2NH1006. Report when established on the localizer. 2500. Report established localizer runway 26 left. Is it jet 6508 80? Ok. Là on a 8 nautiques. Presque 2000 pieds, du coup bon, on va presque on est bon pour l'établir, pour s'établir. Voilà, comme ça c'est bien, c'est super joli, ah, vraiment c'est top. Là on va descendre en même temps que le glide, j'espère. Cabin check, on va allumer les lumières pour l'atterrissage. Tac, tac, tac. On se maintient à 2000 pieds. On est à 6 nautiques. On va retirer la vitesse, histoire de commencer à ralentir vu qu'on est stable. 6-3. Là, on va regarder pour descendre le train d'atterrissage. Atterrissage Tap Garden. On va le rappeler dès qu'on sera établi. On voit les pistes qui sont là-bas. Flaps full. Tranquille, c'est bien. EasyJet 65080. Establish ILS 26 left. 6580, substance 20, cruise 10 knots, runway 26 left, flight line. 26 left, Ryanair. EasyJet 6580. Ok. Et vu qu'on est chaud, l'atterrissage, on le fait en manuel. Faut juste que je retouche un petit peu le
la force dans mon manche. Je sais même pas si l'avion se trim. Je crois pas. Ouh, c'est peut-être un peu vénère là comme descente. J'avoue que là j'ai peut-être légèrement forcé, mais tranquille. Ah, je peux faire rond du gauche droite avec mon joystick, c'est hilarant. Ok, on relâche la pression dedans. Ok, bon là par contre on est vraiment bas. Mais c'est pas un problème. On va se maintenir tranquillement. Oh. Ah, là non, ça va commencer à être un peu chaud. Là faut avouer que je commence à jouer un peu. Je joue un peu avec le feu. Là on est d'accord. Mais vous allez voir, on va bien rattraper ça. Tant qu'on n'a pas passé les minimums, on est sauvé. Attention, les minimums, ça va arriver très vite. Minimum. Continue. Ok. Déjà, ça me fait plaisir, la scène s'est installée. Ok, on continue la descente. C'est parfait. 50. 40. 30, 20, retard, 10, 5. Ok, touche des roues, reverse max, diesel, spoiler up, reverse green. Ok, spoiler reverse off. Manuel braking. Ah, c'était pas mal du tout. Vraiment propre. Vraiment propre. Maintenant, il va falloir être chaud. Parce que là, par contre, le contrôleur, il est en anglais. Hein, ça va être sympa, ça. Ça va être appétissant, vous allez voir. Faut juste que je retrouve la carte de l'aéroport. EG6580, welcome to Gatwick Taxi 2, stand 53. By Foxtrot Romeo, taxi runway 08 left, Romeo 1, Romeo, Lima and Quebec. Actually, just continue on Lima, sorry. On va s'arrêter là. Easy 6580, vacate via. Via Golf Romeo. Foxtrot Romeo, it's possible to repeat the taxi to gate 53, please. Ah, il nous a envoyé un message. Easy 6580, no problem, I've sent it to you by text.
Ok, du coup on va faire Foxtrot Romeo, 08 gauche qu'on va traverser. Romeo Lima stand 53. Donc Foxtrot Romeo Lima, et après il faut que je trouve le stand. Ça, c'est pas gagné. On crosse vraiment la piste dans le plus grand des calmes. D'ailleurs, il va falloir qu'on s'arrête pour faire les différents checks d'arrivée, éteindre les différentes lumières à droite à gauche. Pour cela, rien de mieux que de s'arrêter au milieu du taxiway. D'ailleurs, il y a ces petits ronds qui ressortent. C'est stylé. Ok, alors, spoiler, disarme, flaps up, on coupe le transpondeur. Tout ça, c'est bon. Fly director, il est là sur les coupes, les vers aussi, de l'autre côté, de même. Light, on les passe en taxi, là en retract, on turn off, on les éteint, les strobes, on les éteint, on allume la PU, tac tac tac, tout est bon. Oui, tout est bon. Écoutez, on se retrouve à la porte, il faut également que je trouve la carte qui correspond. Ok, on arrive à porte 53. Donc on tourne tranquillement, on allume, on coupe un moteur, on passe sur APU bleed, on coupe les taxi lights. Ok. Et voilà, en soi, c'est un très bon vol. Hein. Il n'y a pas tout à fait marqué tous les numéros quand même. Ah si, c'est bon, c'est pile la 34. 53, pardon. Ok. Parking brake. On EasyJet 6580 at stand 53. EasyJet 6580, I think flying to Gatwick, Ocean approved, Unicorn 12 decimal, make a left. Switch for Unicorn 12 decimal, head 5 for control, sir, bye bye. Et hop, on est arrivé. Ça, c'est un pec. Du coup, on va. Ah, bah du coup, il n'y a pas de problème. Catering, source électrique, chargeur bagage, et on va essayer d'appeler le jetway via ici, il va arriver, c'est un pec. Voilà, ici en stand-by, winds off, la porte on peut la réouvrir, je vais couper les pompes et les hydrauliques pompes, switch ici sur l'external power, on coupe la PU, on coupe les no electronic device, les crew supply, les les IRS, la batterie, la PU generator, les emergency exit light, puis globalement en fait on a déjà tout fait. Hein. La vue elle est magnifiquement connectée. Là j'ai juste appuyé sur external power et la magie va s'opérer. Voilà, l'avion est éteint. Donc voilà, on va se mettre comme ça là. Bon alors, pour ce petit débrief de vol, tac tac tac. Alors on a fait un vol de 1h et 20 minutes, ce qui est pas mal, oui, un bon petit vol. On voit le moment où on a tourné. On était à 500 nœuds quasiment, et après, parfois, on est descendu à un peu moins, 450 à peu près, après avoir fait le virage. 525 nautiques on a parcouru, on a consommé 2 tonnes 909 de carburant, on a fait un atterrissage à moins de 215 pieds minute. On a transporté 141 passagers, pas mal quand même. Et enfin, globalement c'est tout. J'étais d'atterrissage en 19. Et puis voilà, bon écoutez, j'espère que ce petit vol vous aura plu. Et on se retrouve pour le prochain vol. Salut tout le monde, c'était Vat04, à la prochaine, à plus.